Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes the difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bonjour Annie, bonjour Marie-Dominique, bienvenue sur ce live. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis septembre 2020. Aujourd'hui nous allons faire un mini album photo ensemble, mais avant cela, je voudrais vous parler d'une petite chose. Donc déjà, si vous voulez venir rejoindre mon équipe et devenir également démonstratrice Stampin' Up, prenez contact avec moi sur mon adresse mail scrap-passion54@outlook.fr. Si vous voulez simplement passer une commande et devenir cliente, vous allez sur ma page, ma boutique, donc scrap-passion54.stampinup.net. Pour toute commande inférieure à 200€, vous indiquez le code hôtesse et le mois prochain, je me ferai un plaisir de vous envoyer un petit cadeau. Donc, si vous décidez de venir rejoindre l'aventure et devenir également démonstratrice Stampin' Up, donc vous aurez de nombreux avantages comme des précommandes de nouveaux produits, la découverte de nouveaux catalogues, des événements en live et en présentiel, moins 20% de réduction sur toutes vos commandes et bien d'autres choses également. En ce moment, nous avons de nouveaux kits qui viennent d'arriver. Donc, Tout est chaleureux et radieux, qui est au prix de 28€. Et le kit carnet souvenir J'adore ça, qui lui est à 31€. Nous avons également le 1er octobre, la journée mondiale de la carterie. Donc ce sera un événement virtuel, gratuit. Donc n'hésitez pas également ce jour-là à vous joindre à nous. Et une dernière petite promo, du 1er au 30 septembre, nous avons les promos sur certaines paires. Paires parfaites, en fait, des points sont assortis à certains sets de tampons. Donc, moins 10% sur les lots complets. Donc, n'hésitez pas également à en profiter. Voilà, voilà. Coucou Luna, coucou Rachel. Comment ça va aujourd'hui? Donc, je vais donc tout de suite vous basculer sur le plan de travail pour vous montrer le projet d'aujourd'hui et également vous montrer avec quel produit je vais travailler aujourd'hui. Allez, je vous bascule. Voilà. Donc, cet album se présente comme ceci. J'ai collé des petits coquillages que j'ai tamponnés et découpés, que j'ai collé donc en 3D. Donc ça, c'est une ancienne collection de l'année dernière. Une petite étiquette, moment à célébrer.
à l'arrière, j'ai mis un morceau de DSP. Donc, il s'ouvre par deux petits aimants. Vous entendez le clac? Donc, deux petits aimants avec en haut une petite découpe de bordure. Vers le bas, il s'ouvre comme ceci. Donc, vous pouvez éventuellement mettre soit du journaling ou des petites photos, peu importe. Donc, il s'ouvre sur la gauche. Nous avons donc trois petits rabats, donc pour mettre six photos. Et la même manière à droite, trois petits rabats également pour également y mettre six photos et une dernière au centre. Oui, Rachel, c'est un peu grisant aussi en Lorraine. Il y a le vent se lève, ils annoncent un peu de pluie, mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Ils annoncent du beau après, c'est le principal. Il faut un peu de pluie quand même pour les jardins, donc voilà. Donc voilà le projet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, je vais vous montrer le matériel utilisé. Donc, bordure incontournable. Donc, que je vais utiliser parce que je n'ai pas encore découpé ma bordure, donc ça je vais l'utiliser avec vous. J'ai déjà préparé mes découpes, donc j'ai pris le papier de la collection Boutique de thé, la perforatrice étiquette indémodable, donc pour faire mon petit message, découper mon message. J'ai utilisé l'encre Oasis d'orchidée, ainsi que perruche de parade. Bonjour Gazelle. Waouh, ça te plaît Luna? Bah, je suis contente. Pour mes découpes, j'ai donc pris forme à la mode également au niveau des poinçons. J'ai uniquement utilisé les poinçons tasse de thé. Donc j'ai découpé la tasse pleine ainsi que celle où il y a une jolie découpe assez fine. J'ai également découpé la petite rondelle de citron ainsi que mon étiquette. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc étiquette que j'ai imprimée et à l'intérieur j'ai tamponné selleur du thé. Voilà. Et donc pour faire le contour de mon étiquette, j'ai simplement pris charme intemporel, donc le contour de l'étiquette. Donc voilà pour le matériel utilisé aujourd'hui. Je mets tout ça de côté. Voilà. Et donc toutes mes découpes sont prêtes. Donc j'utiliserai également les bijoux classiques perles. Donc vous voyez, j'ai commencé à en coloriser, j'ai voulu tester et je pense que donc j'ai pris les Stamping Blends. Donc j'avais essayé d'en coloriser une en Oasis d'orchidée et en fait je me suis rabattue sur perruche de parade par rapport à mon étiquette, c'est ce qui ira le mieux. Donc j'ai déjà mis. Bonjour Anouchka et bienvenue. Tu veux que je remontre quoi Luna? Les perles ou l'album? Qu'est-ce que tu veux que je te remontre Luna? Dis-moi. Donc j'ai préparé ma petite découpe, comme je vous le disais, donc ma tasse de thé, ma petite étiquette que j'ai déjà collée en 3D avec un petit morceau de ficelle à rôtir, une petite tranche donc de citron que j'ai découpé et que j'ai collé. J'ai déjà mis mes mousses 3D à l'arrière, ma petite étiquette. Oui, je vais remontrer l'album Luna. Je vais te le remontrer. Donc ma petite étiquette. Prenons une petite pause ensemble. Derrière, je suis venue coller un petit morceau de ruban. Et j'ai déjà également positionné mes mousses 3D. J'ai découpé un rond sur lequel je viendrai poser ma tasse de thé pour ma déco. Et donc toutes mes découpes. Voilà. Donc je te remontre tout de suite l'album Luna. Je vais mettre ça là. Voilà. Donc l'album.
Il s'ouvre comme ceci, trois rabats donc sur la gauche et trois rabats sur la droite, ainsi qu'une photo au centre, donc pouvant contenir environ 13 photos. Si vous voulez en rajouter ici et ici, vous pouvez éventuellement ou mettre du journaling. Après, chacun fait comme il veut. Coucou Fabienne! Oui, ça faisait longtemps, mais écoute, je vais bien, je te remercie, et toi? Donc, voici le projet. Alors, nous allons commencer. Alors, je vais mettre tout ça, hop là, de côté. Alors, pour commencer, je vais prendre mon morceau donc de papier uni qui mesure 15 par 28,5. Donc, je prends, hop là, boum, mon coupe-papier. Et je vais venir marquer des plis, donc dans le sens horizontal, à 7 cm. T'as du soleil en Alsace? Ben, on a aussi du soleil, mais c'est couvert quand même. C'est un peu... Il y a du vent. Mais bon, ça va. On va pas se plaindre. On respire un peu mieux. Donc, je marque un pli à 7 cm. Là, je suis un peu trop haute. Voilà. Donc, à 7. À 8. À 18,5. Et à 19,5. Donc à 7, à 8, à 18,5 et 19,5. Plein de soleil en vacances dans le sud. Ah bah c'est bien. Donc vous voyez que nous avons un côté, donc le premier pli que nous avons fait à 7 cm, et à notre droite, on a un côté plus long. Donc sur ce côté plus long, je vais venir, à ce niveau-là, sur le côté le plus long, faire ma petite bordure avec ma machine. Donc, ouf, je prends la machine. Hop. Je prépare mes plaques. Je prends donc mes bordures incontournables. Oui, 10 degrés de moins qu'hier. Bon, au moins, on respire un peu plus quand même. Il y a plus d'air, c'est bien. Je vais reprendre donc du coup la même bordure que j'avais pris pour mon album précédent. Donc, je vous remontre. Vous avez votre premier pli qui a été fait à 7, à 8, à 18,5 et 19,5. Donc, il nous reste un côté plus grand. C'est sur ce côté que je vais donc positionner ma bordure et la découper. J'espère que vous... Je suis pas trop hors champ, ça va. Alors, moi, par contre, je vais mettre un morceau de masking tape parce que mes plaques sont un petit peu bombées et du coup mes poinçons ne tiennent pas forcément droit. Donc voilà, un petit morceau de masking tape, mon petit sandwich, hop, et je mouline. Ah, ça coince. Ah, attendez, parce que je suis pas bien mise. Et comme mes plaques sont bombées, ça a du mal à passer. Alors si je la mets dans l'autre sens, celle-ci, peut-être que... faut que je rachète des plaques parce que c'est horrible. Alors, zut. J'ai pas voulu le faire avant. Ça y est, non. Ah, attendez, je vais mettre debout, ça passera peut-être mieux. Puis avec mon épaule. Ah, voilà. Ah. Désolée, ça fait faire du sport. Bonjour Louison.
Donc, je range ma petite machine. Enfin, la petite, non, c'était la grosse, celle-ci. Hop là. Je décolle délicatement mon masking tape. Ma bordure. Voilà, donc ma bordure est faite. Voilà, donc je vais juste la ranger où c'est que je l'ai mis pour pas la perdre. Je l'ai remise où ? Elle est en dessous de ma machine. Décidément, voilà. Je vais tout de suite la ranger, sinon ça va être perdu. Voilà. Donc, ma structure est faite. Je mets de côté. Et je vais maintenant prendre, alors, hop là, trois morceaux de 16 par 10. Donc, je reprends également mon coupe-papier. Donc, 16 par 10. Sur mes 16 cm, je vais venir marquer un pli à 15, donc sur mes trois morceaux, donc à 15 cm, je marque un pli, donc sur mes trois morceaux qui mesurent 16 cm sur 10. Donc ces morceaux là iront sur la gauche de mon album. Je prends également les trois morceaux qui mesuraient 15,7 par 10 cm et je fais la même chose. Je viens marquer un pli cette fois-ci à 14,7. Donc 14,7 cm. Je marque un pli et ceux-ci iront donc pour la partie droite de mon album. Donc 14,7. Voilà. Donc je peux ranger mon coupe-papier pour le moment. J'ai pas sorti mon plioir. Hop. Donc je viens marquer mes plis. Donc j'essaie de ne pas me tromper et de garder donc les morceaux de 15,7 à ma droite. Et donc les morceaux de 16, je les vais mettre à ma gauche. Donc 1, 2 et 3. Je retire mes post-it. Alors ensuite, je reprends mon morceau du début. Je positionne ma bordure en haut. Et je vais venir donc coller mes petites bordures à ma gauche. Donc entre le pli que j'ai fait à 8 et celui que j'ai fait à 18,5. Donc il va venir se positionner. Je vais peut-être marquer mes plis, vous verrez peut-être mieux. Qu'est-ce que je viens de faire de mon plioir ? Il est là. Vous verrez peut-être mieux si je marque les d'abord mes plis. Parce que c'est vrai que des fois l'image, ça a un peu de mal. Mais il n'y a pas de souci, Fabienne. Après, c'est au niveau de ta déco. Hein. Tu changeras juste ta déco si tu as du papier du DSP avec un sens. Comme moi, par exemple, j'ai pris des tasses de thé. Donc forcément, ça va être dans le sens horizontal. Mais si toi, tu le fais dans le sens paysage comme ceci, ça ne change rien. Tu as juste à découper tes papiers dans l'autre sens, tout simplement. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc là, je pense que vous voyez un peu mieux mes plis.
Donc, je vais venir coller mon petit onglet au centre, donc entre le pli de à 8 et à 18,5. Et faire en sorte que mon pli soit aligné avec le bord de ma couverture, de manière à ce qu'une fois qu'il sera replié, vous voyez qu'il soit bien au bord, comme ceci. Voilà, c'est pas collé, donc forcément ça va pas tenir, mais je vais faire en sorte de bien le coller au bord. Bonjour Valérie, bienvenue. Donc moi je prends de la colle, vous pouvez mettre du double face si vous préférez, hein. Donc bien se positionner à ras du bord. Donc je replie pour voir et vérifier que je suis bien à ras, comme ceci. Donc une fois que c'est fait, hop, je marque mon pli. Enfin, je fais coller donc mon onglet. Vous voyez, une fois que je ferme, là, je suis bien à ras de ma feuille. Colle ou double face, peu importe, Luna. Moi, je préfère de la colle parce que, bon, voilà. Donc, je referme ma pochette, enfin, l'onglet que je viens de coller. Et je vais faire la même chose avec mon second morceau. Donc, je vais mettre de la colle. Et de la même manière, je vais venir le coller par-dessus et faire en sorte qu'il soit aligné au bord et bien évidemment au-dessus et en dessous également. Que ce ne soit pas en décalé, ça va de soi. Oui, exactement, Rachel. Oui, je pense que Fabienne s'est emmêlée les pinceaux, mais j'avais compris qu'elle voulait le faire en format portrait. Il n'y a pas de souci. Moi-même, des fois, je bafouille et je me trompe aussi, mais il n'y a pas de souci. Donc, hop, je me colle à ras. Hop, je m'aligne comme ceci. Et je fais en sorte d'être toujours aligné à ce niveau-là également. Donc, une fois que c'est fait, hop, j'ouvre et j'appuie pour coller. Je referme et je fais la même chose avec le troisième. Toujours pareil, à ras. Oui, Luna, il fait beau dans le Loir-et-Cher, oui. Ben, nous, en Lorraine, il fait bon aussi, quand même. Hein. C'est un petit peu couvert, on a un peu de vent, mais on respire un peu mieux. Ben, quoique moi, là, à l'intérieur, je meurs de chaud parce que j'ai mes lumières d'allumer sur le côté pour que vous voyez bien, mais bon. Donc là, pareil, je suis bien alignée, là et sur la longueur également. Voilà, donc j'ai mes trois porte-photos, on va dire, collés à ma gauche. Je vais mettre les autres à ma droite. Donc pourquoi nous les avons fait plus petits ? Simplement parce que, une fois qu'ils vont être collés, si on les avait fait pile poil à 16, ça aurait éventuellement raccroché un petit peu lors de la fermeture. Donc j'ai retiré simplement 3 mm de manière à avoir un peu plus d'aisance. C'est aussi simple que cela. Donc je mets de la colle, pareil. Et je viens coller donc à ma droite cette fois-ci. Donc une fois que j'ai posé, je rabats un côté pour être sûr que je sois aligné également. Donc là, a priori, ça a l'air d'être le cas. Donc là, hop, j'adhère avec mon plioir en os. Donc je referme.
je fais hop à boum la même chose. Donc c'est vraiment pas compliqué du tout, hein. Voilà. Donc, pour celles et ceux qui voudront refaire en replay, comme d'habitude, le replay sera disponible sur ma chaîne YouTube, scrap-passion54, ainsi que sur ma page Facebook du même nom. Et il y aura les fiches techniques téléchargeables et imprimables, sur mon blog scrappassion54.fr, donc sans tirer et avec deux P. Bonjour Nathalie, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, comme j'étais en train de le dire, le replay sera disponible, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Voilà, donc nous avons nos trois pages à droite et à gauche. Donc je referme tout cela. Je vais en haut venir tout de suite positionner. Donc en haut à l'intérieur, hein, vous voyez mes pages sont là. Je vais venir positionner deux aimants. Alors mes petits aimants, hop là, ils sont aimantés sur ma règle. Hop, pour moi je suis sûre de ne pas les perdre. Donc mes petits aimants autocollants, je vais venir en mettre un ici et le second à peu près à ce niveau là. Je prends mes deux autres aimants qui se sont de nouveau aimantés sur ma règle. Hop là. Je vais donc tout de suite les mettre par-dessus les autres. Et comme vous voyez, moi, ils sont autocollants, mais la face autocollante n'est pas du bon côté. Mais bon, si je les remets dans l'autre sens, la polarité ne sera plus la bonne. Donc, ce que je fais, je prends ma colle. Oui, c'est des amandes sur Amazon, Luna. Je viens simplement mettre un petit point de colle au centre de mes aimants. Je positionne correctement mon album et hop, je fais simplement adhérer comme ceci et j'ai la marque de ma colle en bas. Donc maintenant je vais venir mettre du double face pour que mes aimants viennent se coller à leur emplacement. Alors, hop, un petit morceau de double face, donc au-dessus de la colle, comme ça, j'ai mes petits repères et je sais où mes aimants vont se positionner. J'enlève l'opercule. Voilà, tout de suite à la poubelle. Et je viens simplement refermer et appuyer de manière à faire adhérer donc mes autres aimants. Voilà, comme ceci. Je vais maintenant venir coller mes papiers design. Ah oui, des glue dots. Oui, c'est vrai que j'y pense pas sur les aimants. C'est vrai. Très bonne idée, Rachel. J'en ai, mais je les utilise surtout pour les rubans. Mais c'est vrai que pour les aimants, c'est pas de mauvaise idée. Faudrait que j'y pense. Voilà. Donc, là où j'ai mis le bas de mes aimants, je vais venir coller donc mon DSP. Alors, j'avais mis, alors pour le bas, que je fasse pas de bêtises, pour le bas, je vais mettre celui-ci de DSP. Donc, pour le rabat, là où j'ai mes aimants.
Donc c'est un morceau de 14,5 par 6,5. Il n'y a pas de souci, Maryse. Bonjour. Il n'y a pas de souci, le replay sera toujours là, aucune crainte. Donc, j'enlève les opercules de mes aimants et je vais donc venir coller mon morceau donc de DSP de 6,5 par 14,5. Comme ceci. Voilà. Et en haut, je vais venir coller donc le morceau de 14,5 par 7,5. Comme ceci. Donc pour cacher mes aimants. Je ne sais pas si vous scrapez en même temps que moi. Mais non, Fabienne, t'as pas la tête à l'envers. T'inquiète pas. Je vais dire que Rachel n'aurait pas fait la réflexion, je m'en serais pas rendu compte que tu t'étais trompée non plus. Donc voilà. Ensuite, j'ouvre mon rabat du bas et en bas, je vais donc mettre un autre morceau de 14,5 par 6,5. Donc celui-ci, je vais le mettre en uni, comme ceci. Donc je mets l'autre côté. Bon, je pourrais très bien remettre le même papier, hein, mais j'ai envie de changer un peu. C'est vrai que celui-ci, on le verra peut-être pas aussi bien, mais c'est pas grave. Voilà. Comme ceci. Alors, ensuite, je vais terminer mon rabat. Donc là, je suis, mon album est aimanté. Et en haut, je vais mettre donc mon dernier morceau de 7,5 par 14,5 et je viendrai faire ma petite déco dessus après. Pour l'instant, je fais tout ce qui est collage. Donc là, vous ne voyez pas trop bien la différence, mais avec la déco, ça va tout de suite mieux ressortir. Donc voilà. Je rouvre mon papier. Oui, tu préfères l'autre côté, Luna. Oui, moi aussi, ce côté-ci est plus joli, mais après, ça ferait trop bariolé avec ma déco. Donc, j'ai préféré mettre le côté uni. Voilà. Donc, à l'intérieur, je vais venir coller mes morceaux de DSP. Donc, pareil, les DSP n'étaient pas tous de la même taille. Donc, 14,5 par 9,5, ce sera pour tous les DSP qui iront sur les pages gauches. Donc, ensuite, peu importe lesquels motifs vous mettez. Moi, j'ai pris de toute la collection boutique de thé, donc il y a un peu de tout. Alors, on va commencer par. Allez, celle-ci, comme ça tranchera un petit peu. Allez, soyons fous. Hop. De toute façon, ce sera recouvert par des photos. C'est juste pour avoir un petit matage à l'arrière. Donc voilà, on voit une déjà. J'ouvre. À l'intérieur, je vais mettre celui-ci. Bon, après, j'en ai préparé plusieurs. J'ai pas vraiment réfléchi à savoir dans quel ordre je vais les mettre. Hein. Et comme je l'ai dit, de toute façon, il y aura les photos qui reviendront dessus. Donc les papiers, même s'ils sont trop chargés, on ne les verra pas énormément. Là, ensuite. Hop, on va mettre. Non, ça va faire trop chargé à côté. Là, on va mettre celui-ci, ici.
Je ne vais pas non plus mettre tout du papier chargé partout parce que j'essaye de faire un sur deux. Là. Ensuite, on va mettre celui-ci. En face, on mettra... oui, celui-ci en face. Hop. Ah Luna, c'est le dernier live que tu vas pouvoir faire en direct. La semaine prochaine, tu seras retournée à l'école. Tes affaires sont prêtes déjà pour la rentrée? Coucou Marie-Reine! Donc là, je mets le dernier sur sur mon côté gauche. Donc il restera un morceau de papier, c'est normal parce qu'il viendra au centre. Donc là, pour l'instant, je décore mes côtés. Donc mon dernier morceau de 14,5 par 9,5 viendra juste au centre ici. Donc je le collerai après, pour l'instant je le laisse de côté. Et je vais maintenant coller mes morceaux de droite qui faisaient donc 14,2 par 9,5. Hop. Allez, on est parti. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. J'espère que je ne vais pas trop vite, que vous arrivez à suivre. Hop. Celui-ci, je vais le mettre plutôt vers là. Ah, tes affaires sont rangées dans ton bureau, mais pas encore dans ton sac. Moi, je te rassure, mes enfants non plus, ils n'ont encore rien préparé. Hein. Ensuite, là, je vais mettre le citron. Hop. En fait, Luna, elle aura encore la tête dans les étoiles et au lieu de préparer des affaires d'école dans le sac, elle va mettre ses affaires de scrap. Donc, voilà. Je colle ensuite au centre donc mon dernier morceau qui faisait donc 14,5 par 9,5. Donc celui-ci vient se positionner donc au centre. Merci Marie-Reine, je suis contente que ça plaise. Voilà donc mes pages de droite que je rabats en premier, comme ceci, et les pages de gauche après. Hop là. Ensuite, donc, le rabat du bas et le rabat du haut.
Pour mettre au dos, je vous avais marqué dans la liste du matériel optionnel parce que vous pouvez très bien laisser comme ça. Mais moi, je vais mettre un morceau donc de 10,5 par 10 derrière, comme j'avais fait donc sur ma version précédente, j'avais mis également un morceau derrière. Vous n'êtes pas obligé, c'est pour ça que j'avais marqué optionnel. Donc c'est libre à vous de le mettre ou pas. Donc par contre, si vous le mettez et que vous avez un sens, ne vous trompez pas. J'ai failli le mettre à l'envers, c'est bien que je viens de vérifier. Voilà. Le scrap dans le sac, ça fait une chanson. Voilà. Alors maintenant, je vais passer donc à ma petite déco que j'avais déjà tout préparé à l'avance. Donc j'avais découpé avec les formes à la mode, j'avais pris l'avant-dernier rond. Je sais pas si vous voyez à l'écran, mais il est un petit peu surpiqué tout autour. Donc je vais le coller à plat à ce niveau-là. Je viendrai donc, j'ai déjà mis mes mousses 3D, coller ma petite tasse par-dessus, comme ceci, et mon étiquette sur laquelle j'ai également mis mes mousses 3D et j'ai collé un petit ruban, donc en mettant un morceau de double face, hop là, un petit morceau de double face, j'ai collé mon petit ruban comme ceci. Et tout simple, hein, c'est pas compliqué à faire du tout. Donc voilà. Tout simplement, ma petite déco. Ça, j'aurais pris le papier, j'aurais laissé le papier avec les tasses sur le dessus, ça aurait vraiment fait trop chargé, je pense. Et là, c'est plus discret, je trouve que c'est plus joli. Donc, je referme ma colle, j'en ai plus besoin. Là, donc, je retire les opercules de mes mousses 3D. Hop. Encore un là. Et un petit ici. Voilà. Donc, hop. Je viens donc coller ma petite tasse. Là. Ah, les petits morceaux qui restent collés. Et ma petite étiquette, donc que je vais venir positionner également en 3D. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà mis mes petites mousses. Alors Rachel, pas compliqué du tout, hein, t'as vu ça un peu? Quand on a des petites photos à vouloir garder près de soi dans le sac à main, en plus ça prend pas de place. Voilà, tout simplement. Je vais mettre donc mes petites perles classiques que j'ai préalablement colorisées avec les blends. Perruche parade, parade de perruche. Non, perruche en parade. J'en perds mon latin. Alors, hop, je prends mes ciseaux pour m'aider. Donc, je vais en mettre une par là. Une autre par ici. Et la petite troisième. La petite troisième, la petite troisième. On le verra peut-être pas trop là. Allez, hop. Par ici. Allez, hop, elle est déposée. Elle est bien. Donc voilà notre réalisation d'aujourd'hui. Oui, tout à fait, pour faire un cadeau de dernière minute, Rachel, c'est rapide, c'est vraiment pas compliqué, rapide, et je dis même dans un sac à main pour garder les petites photos près de soi, c'est vraiment
C'est sympa. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ah, j'aime bien. Donc voici la réalisation que j'avais fait donc avec une ancienne collection de l'année dernière. Et voilà, mais c'est vrai que celle-ci, j'aime bien en fait. Les couleurs se marient bien, franchement. J'aime bien. Tu peux mettre le bleu sur le rond vert. Oui, j'aurais pu faire l'inverse éventuellement, oui. Pas de souci. Bon, après, les couleurs, hein, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, j'ai pris cette collection. Vous pouvez prendre n'importe laquelle, il n'y a aucun souci. Donc, voilà. Notre projet d'aujourd'hui est terminé. Donc, a priori, ça a l'air de vous avoir plu. Donc, je suis vraiment ravie de vous avoir fait plaisir. Donc, si vous voulez venir rejoindre mon équipe, vous prenez contact par mail scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir donc, de vous renseigner, de vous parrainer. Donc, vous pourrez avoir des avant-premières, des précommandes de nouveaux catalogues, de nouveaux produits avant les clientes, moins 20% donc sur toutes vos commandes. Si vous voulez simplement passer une commande, rendez-vous sur ma boutique en ligne scrap-passion54.stampinup.net. Vous indiquez le code hôtesse pour toute commande inférieure à 200 euros et le mois prochain, je me ferai un plaisir de vous envoyer un petit cadeau. Voilà, sinon donc vous aurez le replay sur ma chaîne YouTube, scrap-passion54, et après ce live, le temps que ça charge, sur mon blog scrap-passion54.fr, donc sans le tiret et avec deux P, vous aurez donc les fiches techniques téléchargeables et imprimables à votre disposition. Sinon, donc, je vous rappelle également le 1er octobre, la journée mondiale de la carterie. Donc, ce sera de 14h à 17h, si je ne m'abuse. Donc, c'est un live créatif virtuel gratuit, ouvert à tout le monde. Nous avons également deux nouveaux kits. Donc, tout est chaleureux et radieux au prix de 28 euros. Et kit carnet souvenirs, j'adore ça, au prix de 31 euros. Et du 1er au 30 septembre, donc paire parfaite. Donc, moins 10% sur certains lots, donc des poinçons qui d'origine n'existent pas. Seront disponibles uniquement du 1er au 30 septembre. Donc n'hésitez pas. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. Au revoir.